Je suis le président de Mopadiko, mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais. C'est bon. C'est quelque chose qui va annoncer. Avec lui sur ce plan. Et quelle a été la réponse de M. Jean-Pierre Bemba à votre demande? On a échangé. Je n'ai pas encore, je n'ai pas de questions que j'ai posées. Il faut avoir des réponses. Dans le cas où j'ai posé des questions, il n'y a pas de questions. Okay. Nous avons échangé avec lui. Et comment vous avez trouvé sa santé et son moral? Très bien. Il est très bien. Comme toujours, comme l'autre fois. Alors, pour le 28 novembre prochain, l'élection à Congo, est-ce que M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba a dû croire la crédibilité de la CENI? Non, je ne crois jamais dans la crédibilité de la CENI, mais je crois dans une chose, avec nos pressions, la CENI suivra ce que nous exigeons. Et par rapport à Yaba Oyo, Bazolinga, va voter le président sortant aux yeux, c'est pas moi. Pas un endroit, si nous sommes en démocratie, si vous ne pas voter pour le président sortant, très bien, je leur souhaite bonne chance. Moi, je suis en Lingala. Tout le monde qui est internet, sur Facebook, bazo foula yo ya ma be vraiment. Message nous en ango pour la nouvelle génération ya internet na Facebook etc. Mais et tout le monde qui 30 ans durant et d'après la bâtiment société c'est bon on dit pour l'avenir. Or cette jeunesse représente l'avenir. Donc c'est pour cette jeunesse qu'on s'est battu. On veut laisser un pays, un état de droit où règne la justice et la bonne gouvernance, où l'on combat la corruption. Pour qu'eux ne connaissent pas les douleurs et les souffrances que nous avons connues de notre temps. Donc, une raison de plus pour que les jeunes puissent appuyer totalement les mouvements que nous menons, parce que c'est particulièrement de leur faveur. Président, j'ai juste une question. J'aimerais savoir, parce que les candidats de l'UDPS, il n'y en a pas beaucoup qui se sont inscrits dans toutes les circonscriptions. Alors, on voulait savoir, est-ce que c'est stratégique ou bien... N'oubliez pas que Élie de PES et des partis de l'opposition, nous n'avons commencé à agir que depuis mon retour le 8 décembre dernier à Kinshasa. D'accord. Jusque-là, tous les partis, vous le savez, étaient intolérés par la nouvelle dictature qui règne chez nous. Donc ça fait qu'un parti comme Élie de PES, qui est implanté sur l'ensemble du territoire national, commencer seulement depuis décembre son organisation, ce n'est pas possible que l'élection termine, d'autant plus que tout ce monde-là était
était cloué dans la peur de faire de la politique, sinon vous savez ce qu'ils attendaient. Donc voilà pourquoi tout ceci est en retard, mais nous ne laissons pas tomber les bras, nous faisons tout pour quand même qu'il y ait. Nous ayons le plus de députés possible au prochain parlement. Mais nous avons vu M. Ngoï Moulunda il n'y a pas longtemps, qui était à Bruxelles. Il dit que quelque part, les élections seront transparentes selon lui, parce que si dans chaque circonscription où on va voter, il y a un représentant de l'UDPS et de tous les autres partis, ils pourront vérifier. Qu'est-ce que nous, on va mettre en fait, qu'est-ce que l'UDPS va mettre en œuvre pour pouvoir être représenté dans chacun des bureaux de vote? Parce que c'est ça tout, le problème. Comme vous dites vous-même, malgré le retard et tout, nous faisons tout pour que nous ayons des témoins dans tous les bureaux de vote. Mais ce même Ngoï Moulunda, nous lui avons demandé d'avoir accès plutôt au serveur central. Bien sûr, il y a des promesses qui sont encore vagues jusqu'ici. Nous avons demandé qu'il puisse publier le fichier électoral, il n'a pas encore fait, malgré que la loi a dit qu'il faut le faire 2 mois après. Nous lui avons demandé de publier la cartographie générale de toutes les circonscriptions électorales de tous les bureaux. Tous les bureaux de vote du pays, il ne l'a pas fait. Hein? Donc c'est très bien qu'il vienne faire le discours à Bruxelles, ce n'est pas à Bruxelles qu'on va voter. Alors, tu vois, il y a un peu de temps, deuxième fois, oui, il y a en Europe, visite en Europe. Alors, tu vois, on a une visite pour la deuxième fois. Et puis, on a une deuxième fois, il y a M. Jean-Pierre Bimbanabolo. Mais c'est normal, un compatriote d'Adama, il ne sait pas s'il faut tout talailler. Mais il y a des choses vraiment humanitaires pour talailler. Il y a un ballon, il y a un autre ballon. Le bagage de la politique pour que tout ça, surtout pour que le candidat ait opposition à la moko dans l'élection. En deux grandes lignes, s'il vous plaît, projet de société, projet de société, il y a UDPS. En deux grandes lignes, s'il vous plaît. Ne soyez pas pressés. Le projet de l'UDPS se conjugue avec le programme de l'UDPS. Maintenant, ça ne va plus être le programme ou le bien de l'UDPS. Je suis en train de faire le tour justement pour que l'Union soit dans la commun, le programme commun, tout ça commun pour que tout le monde soit dans la candidat à l'élection prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est grâce à toi que je suis entré. Yellow.
kuta e zongisa e na Rwanda iwa bisoto lembio zongisa e na Rwanda yaya e yaya chichi e zongisa e na Rwanda tolembi tolembi e zongisa e na Rwanda zongisa zongisa e zongisa e na Rwanda injustice koma na Congo zongisa e na Rwanda ba viol ele ki e bele zongisa e na Rwanda tozangi kurana maye zongisa e na Rwanda misala ezangili futio zongisa e na Rwanda chicheke di wamulu